Bonjour à Minecraftien, ici c'est LB35 pour la première fois en vidéo avec mon visage. Et je sais pas si vous êtes spécialement heureux de le voir, mais bon, après tout, je vous demande pas votre avis. Si vous avez l'impression que mon visage est un peu éclairé de côté ou éclairé un peu bizarrement, c'est juste parce que, bon, niveau éclairage, c'est système D, hein. Comme vous le voyez, oui, jour, nuit, jour, bref. On se retrouve donc pour du Notblock, comme vous le voyez sur cette interface, le Notblock Studio, qui est un logiciel tout à fait fait pour, est présent parmi nous. Ça c'est le making of. Il est en exclusivité sur la chaîne de la MC4 Team. Vous pouvez d'abord voir, comme il y a eu lien tout à l'heure, la vidéo d'origine sur ma chaîne personnelle qui bientôt accueillera un tout nouveau type de vidéo, des chroniques à peu près mensuelles normalement et bien montées comme il faut et avec mon visage. Soyez au courant de tout ça. Allez, on se lance. Pour cette fois-ci, je vais adapter en Notblock le quand même très connu morceau Tobu, le morceau de Tobu, à savoir je dis n'importe quoi. Je disais, j'adaptais le morceau Hope, assez connu, un morceau de Tobu, un morceau très utilisé. D'ailleurs tous les morceaux de ces artistes sont très utilisés dans des compilations de PvP sur Minecraft ou même dans d'autres contextes. C'est des musiques assez populaires, assez modernes. Certaines mauvaises langues diront que oui, il fait un peu toujours le même style, mais bon, chaque artiste peut se définir sa propre personnalité. Et là, je suis en train de raconter ma vie là où je devrais faire du Notblock. Si vous voulez savoir, toutes mes techniques, j'utilise chacune des lignes que vous voyez là sur NBS. Je consacre chacune d'entre elles à un instrument en particulier. J'ai jamais été très rigoureux avant sur les deux premiers morceaux que j'ai faits. Là, je compte l'être un peu plus déjà. Et on va commencer par le premier instrument qu'on écoutera, qui sera la ligne tout en haut, et puis on continuera au fur et à mesure. On trouve les sons adaptés, par exemple, là je pense utiliser un son de basse. Et je fais tout à l'oreille. Des fois ça me manque un peu de rigueur, hein. Vous allez me voir chantonner un petit peu aussi. Donc un son de basse. Ok, je tente de mettre les premières notes à un tempo particulier, donc un par temps, on va voir ce que ça donne. Ce sera plus rapide que la version originale. Sachant que la version originale est bien rapide déjà de base, mais bon. On fait avec le tempo qu'on a, on ne peut pas choisir le tempo sur Minecraft, vu que tout est configuré en fonction des ticks de redstone, donc double tick de jeu, par cinquième de seconde. Je crois que ça fait un tempo dans les environs de 120. C'est très rapide, mais tant pis, on peut pas faire autrement. Là on est sur une base de si do ré mi fa sol la si do. On est sur du la. Notre tonique a l'air d'être du la. Je suis très mauvais en solfège, là je parle en profane, mais je pense qu'on en est à peu près là. C'est rigolo, ça fait la, vous avez compris. Là on a un petit accord de la qui se joue 4 fois, donc le temps d'une mesure, puis accord de do, et puis accord de la, et accord de sol si je ne m'abuse. Voilà, oups. Voilà, en scrollant sur les notes, on peut les varier. Là, on est sur du sol dièse, là, ce qu'on veut, c'est un sol pur et dur. Pour l'instant, quelque chose de très très simple comme base de morceau. Et alors là, je pense que je me sentirais obligé d'accélérer au montage la vidéo finale. Non, de ralentir. Pff, accélérer, ce serait vraiment du massacre pour le coup. Là, j'ai la basse déjà. Déjà, une petite base rythmique. On recompare avec le morceau d'origine. C'est bis. C'est deux fois cette structure à vide. Et après la mélodie entre. La mélodie on la fera au piano. La mélodie, sachant qu'elle est prioritaire, je place tout ça sur la deuxième ligne. Je copie le tout et
CTRL A, CTRL C et CTRL V. Quand on a un logiciel fait pour, on va pas s'embêter à faire des trucs trop compliqués. Et évidemment, après CTRL C encore une fois, deux fois encore, mais cette fois-ci avec de la mélodie. Tum. Tum. Ça me paraît bien être ça. Quelques minutes d'égarement mélodique plus tard. Oh, c'est le logiciel. Je crois que je l'ai. C'était bel et bien du E. Est-ce que c'était le oui, donc le E. Voilà, donc on enlève tout ce ramassis de déchets et on copie cette boucle trois fois qui va là encore beaucoup trop vite, mais évidemment ralenti au montage. Waouh. Je crois que j'ai fait la pire connerie que je puisse faire au monde. Mais sur ces sons-là, ils sont jamais pile poil sur le temps, donc c'est plus compliqué. Ça sonne beaucoup mieux comme ça quand même. Tom tom, tom tom. Eh ben, ça commence à prendre forme. Et après, on fera la rythmique donc de batterie qui est on ne peut plus simple. Ça, c'est à peine plus, voilà, là. Au niveau harmonique, ça sonne parfaitement bien. Donc, limite. Quand t'as réussi à faire sonner ta mélodie, tu sens pas toujours la nécessité de la ralentir, de la rapprocher de l'original. Si les deux peuvent vivre indépendamment, c'est presque aussi bien. Hop. Donc les sons de batterie c'est toujours E. Et à vrai dire un peu Osef, de note comprend. Faut juste que ça sonne. Moi je prends la note la plus grave possible. Évidemment, on peut aller plus bas avec le logiciel, mais ce ne sera pas lisible dans Minecraft car je vous rappelle qu'il n'y a que deux pauvres minuscules octaves disponibles. Donc on va prendre un son qui se rapprocherait le plus d'un son de grosse caisse. Donc pour avoir beaucoup écouté le morceau, je connais déjà la rythmique. Je vais la réécouter quand même. Donc la 4, donc une mesure. Ton 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 ton. En l'occurrence, on n'est même pas un doué de grosse caisse, il y a plus que ça. Mon dieu, je ne sais pas du tout de ce quoi je sais pas du tout parler déjà d'une et je sais pas du tout de quoi je parle ensuite. Parfait! Parfait! Alors on l'entend pas bien, je vais le doubler, tiens. Je vais consacrer une ligne en plus juste pour que ça sonne plus fort parce que dans le morceau, on entend très clairement les percussions. Ça prend toujours 2 voire 3 voire plus d'heures pour retranscrire un morceau en notre bloc. D'autant que là j'ai pas mal tâtonné au début, donc mais ça devrait s'accélérer donc tout va bien. Alors ça du coup useless parce que on recopie tout par-dessus. Donc hop, commence sur le temps, hop. Et hop, voilà. Donc je suppose que là ça fait bis, c'est ce qui serait logique pour la structure du morceau. 4 fois vide la vache, c'est beaucoup. C'est beaucoup, ça prend de la place, sachant qu'on ne peut pas dézoomer sur le logiciel vu que les notes sont carrées, champion du monde. Bah du coup, on copie les 2 tiers du morceau et on les colle. Voilà. Et donc là, on a déjà comblé 30 secondes sans rien foutre. Bon là, je ne suis quasiment plus dans le cadre, mais je m'en fous. Ça fait chier parce que j'aurais bien aimé que le morceau se varie un peu plus, mais... Ouais, on parle d'une grosse caisse en plus, c'est pas grand chose non plus, mais... Là encore, pareil. Une fois trop. Deux, un. Une fois la même phrase. Deux fois la même phrase.
fois. 4, encore une fois, donc rebis. Alors, on copie tout. Et j'adore quand le travail se fait à ma place, mais là il y aura une petite variation, donc je peux pas non plus m'affaler comme ça sur ma chaise tout le temps non plus. Là il y a un petit ostinato. Est-ce qu'on peut parler d'un ostinato rythmique? C'est un truc, voilà, qui fait tout 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 tout. Qui fait des croches, oh mon dieu, quelle rythmique élaborée. Je sais pas du tout si le morceau a déjà été adopté, j'ai pas pris la peine de vérifier, honnêtement, je m'en fiche comme de mes premières chaussettes. À chaque fois que j'ai un concept de vidéo qui se fait, ou un concept de map Minecraft, ou de n'importe quoi d'autre, il y a toujours un FDP, ou pas trop FDP d'ailleurs, pour me dire que ah là là, ça a déjà été fait. Le dernier exemple en date, Map Splatoon, je considère pas du tout Tinjoff comme un FDP, hein, Tinjoff, désolé, mais non, t'inquiète pas, du coup, je n'ai rien du tout contre ça, mais du coup, avec l'arrivée de Splatcube sur le Phantom World, dont j'ai fait une vidéo il y a pas longtemps qui est juste là, eh bien, j'étais obligé d'arrêter le concept de Mass Platoon que j'avais commencé. Et oui, là je suis en train de meubler pendant que je suis en train de copier-coller une base rythmique. Comment voulez-vous que j'appelle ça aussi? Un truc à la Tobu, on va dire. Hein. C'est voilà quoi, c'est pas le summum de l'élaboration non plus. Ces morceaux sont très agréables à écouter, mais peut-être pas plus si agréable que ça à étudier. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Faut que je réécoute tout ça parce que j'ai l'impression qu'il y a un décalage quelque part, il y a un problème. Donc ça passe en double croche aux deux dernières mesures. Pour en savoir. YOLO! Et oui, c'est très joli à voir sur le logiciel. Ça va sonner un peu bizarrement, mais c'est comme ça qu'est le morceau. Je pense qu'il y a une autre. Ouais, je pense que je vais supprimer. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Voilà, et là. Là. Ça me paraît être un truc dans ce genre-là. Ça sonne pas mal. Donc, je peux immédiatement ramener ça sur les trucs là où c'est censé être. Voilà. Et donc, moi, je vais m'amuser à réécouter le morceau. Je couperai au montage de toute façon. Parce que j'aime bien, en plein milieu de ce que j'ai fait, tout réécouter depuis le début. Ça me permet d'avoir un œil sur ce que j'ai fait. Et puis. Puis c'est bien, c'est bien. Oh là là. Ouais, ça doit être comme ça. Ça sonne bizarre à ce tempo là, mais c'est comme ça, c'est normal. Bon, vous avez compris la majorité du processus de création. Ceci dit, ça, tout ne se passe pas toujours précisément comme prévu, comme vous pouvez le voir. Mon dieu, mes intervalles n'ont aucun putain de sens. Bon. Je vais tâtonner encore un petit peu, hein, écoutez, le temps qu'il faudra, mon dieu. Et puis après, je vous reprends. Je déteste me voir comme ça à l'écran, c'est... Oh, oh, bonjour. Oh là là. Donc, c'est quand même mieux quand je regarde ça, sauf que j'ai envie de regarder le retour, c'est très désagréable. Allez, à tout de suite. Oui, finalement, je fais plus des intervalles parce que ça m'a saoulé. Et que ce petit piano solo, ça, c'est sympa aussi, je trouve. Comment le mec justifie son incompétence, quoi. Parfait! Quand ça sonne bien, on le sent immédiatement. Hein. Je vous l'ai dit ça tout à l'heure, de toute façon. Qu'est-ce que. Oui, ah oui, oh, enregistré! Enregistré sous, bah. Donc du coup, non, l'histoire des notebooks là qui étaient décalés, c'était pas une erreur, c'était bel et bien le cas. Et heureusement que j'y ai jeté un œil parce que sinon, oui, j'ai jeté un œil, donc du coup je suis borgne, mais c'est pas très grave, c'est pas très très grave. Il me semble que la rythmique qui est à ce moment-là en batterie, c'est assez classique. On réécoute, hein, juste pour voir. Oui, là j'ai Adblock sur mon YouTube actuellement, mais c'est uniquement pour la vidéo, pour que ce soit plus clean, hein, parce que sinon, bof, je désactive Adblock sur YouTube, déjà parce que les pubs sont pas du tout envahissantes et... Parce que faire ça, si on faisait tous sans exception, ça mettrait des gens au chômage. Adblock sur YouTube, c'est le mal, je suis désolé. On en redébattra un jour, mais ceci fait des clapements de main tout à fait convenables normalement. C'est mieux que rien, on va dire. Voilà, donc ça c'est pour avoir une petite base rythmique. Donc là ça ira très vite. Et là il y aura beaucoup de recherches mélodiques à faire. À l'oreille.
Et là, c'est une petite variation rythmique là que vous voyez sur l'écran. Et là, je crois que bien que c'est le copier-coller. On fait une pédale au sens propre, comme figuré dans le sens où une pédale rythmique, c'est une pédale rythmique, quoi, hein, cherchez pas. Et dans le sens où pour faire la pédale rythmique, on appuie sur la pédale de la batterie. Décernez-moi l'Oscar de l'humour, donc. Attention, énorme partie coupée au montage! Non, je pensais pas à cette façon-là de couper, mais pourquoi pas? C'est pour ça que je vais immédiatement fermer la fenêtre, je vais quitter Skype, voilà. Au revoir Skype, tu étais un gentil monsieur, mais tu t'en vas. Quitter Skype, voilà. Oh, mais fais pas ce petit bruitage plaintif là. Et je vais m'arrêter là pour aujourd'hui parce que j'ai déjà bien avancé. Je vous fais écouter la fin du. Non, je rien du tout en fait. Vous avez déjà écouté la version Adblock. Je vous invite à écouter la version officielle. Le lien est probablement dans la description. Sinon, vous cherchez Tobu Hope sur YouTube. Hein, je vous êtes grand. Hein. Et donc, à demain pour la suite et fin du morceau et sa publication et son importation via MCEdit. Et donc, re avec un meilleur éclairage parce que cette fois-ci, on est de jour. Hein. Et donc, on continue là où on en a été rendu. Faudra quand même que je revoie 2-3 trucs, je suis pas sûr de moi. Allez, petit accéléré pour la fin du morceau parce que c'est compliqué à condenser et que de toute façon c'est déjà trop long. Et donc, vous avez vu à quoi ressemblait le processus créatif. À partir de là, il suffit de regarder et enjoy, hein, tout simplement. Et là, à ce moment-là, ils s'entendent, tu vois, peut-être pas regarder le début, ça s'entend, je crois. Donc, fin, do, la, do, mi, bref. Ah, je crois que c'est ça. Qu'est-ce que je veux dire, alors? Voilà. Parfait, alors. Je pense que c'est un bon genre. Oh, c'est comme ça, je sais. Je pense que c'est ça, c'est de toute façon. Je pense que c'est comme ça. J'en attends, j'en ai dit. Salut le rendu vidéo. Voilà. Donc on a écouté le morceau, je suis tout à fait satisfait, et bah je considère ça comme fini, donc on va pouvoir faire la deuxième partie de ce making of, qui sera évidemment beaucoup plus courte pour des raisons évidentes de bah parce que le gros du boulot est fait, hein. Donc là, ce que je fais d'abord, c'est que sur NBS, je sélectionne tout parce que c'est un réflexe que j'ai pris avec Vegas, mais c'est inutile, on peut simplement file. Nope. Donc déjà j'enregistre, hein. Enregistrer c'est la base. Ensuite on exporte à schématique, c'est important, pour pouvoir le réutiliser avec le vieux logiciel MCEdit, enfin vieux parce que j'ai pas mis à jour depuis plusieurs siècles, mais sinon voilà. Donc on peut load un des mondes sur MCEdit, mais je ne vais pas le faire tout de suite parce que déjà ça met un peu de temps à charger, et puis ensuite. Ensuite, de toute façon, on verra ça plus tard, et puis voilà quoi. Donc, on peut choisir comment exporter le truc. Donc, design simple walkway. Je vais mettre celui de base. Donc, tout ceci, on n'inclut pas de minecart track ici, c'est inutile. Je peux me débrouiller tout seul. Au niveau des blocs, là, ça peut être intéressant par contre. Une light blue, voilà. Block for circuitry, white wool, c'est parfait. Block for ground, surtout pas grey wool, mais plutôt. Je pensais à Yellow Wolf, voilà. Et là, c'est très bien. Là, on peut exporter. Et donc, on ramène ça sur enregistrer. Ben oui, parce qu'il y a, y a mon identité dans les noms des dossiers. Donc, bon, voilà quoi. Donc là, il nous l'exporte dans un fichier point schématique qui peut s'utiliser avec le logiciel MC10, comme je viens de vous le dire. Donc là, je load mon monde NotBlocks directement grâce au logiciel MC10. Les chunks chargent encore plus lentement que dans le Minecraft de base, fallait le faire. Non, mais depuis l'1.8, ça va plutôt vite dans le Minecraft de base quand même, faut pas être mauvaise langue. Et donc là, comme vous le voyez, mon logiciel est adapté 1.5, donc la majorité des blocs sont complètement inconnus pour le logiciel. C'est à ce moment que tu dis que oui, c'est bel et bien le morceau le plus long que tu aies fait. Et de loin. Oh là 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 là, j'espère que ça va rentrer dans les chunks loadés au moins. Y aurait-il du foutage de gueule? Pas de foutage de gueule, encore heureux.
C'est juste le logiciel qui a du mal parce que déjà il est en vieille version et ensuite là il y a le legal record tout simplement. Et donc là la chose qu'on va faire est très basique. Déjà on peut fermer MCEdit une bonne fois pour toutes. Et lancer le mince raft. J'ai une suite de mouvements précis que je fais pour mes vidéos NoteBlock. Alors, c'est où le début? Ça a l'air d'être par là. Ouais, exactement. Donc ce que je fais pour commencer, c'est que je construis un petit truc qui rappelle la couverture du truc ou autre. Là, je pense que je vais mettre un joli un ballon qui sera donc des couleurs comme elles le sont sur la couverture du single. Donc, je vais construire ça donc hors caméra, parce que vous savez comment on fait pour construire dans Minecraft, hein, je vais pas tout vous apprendre. Et puis je vous montre ça une fois que c'est fait. Bon alors là on se retrouve dans le cas classique, c'est-à-dire que c'est pas symétrique. Bah donc du coup on va retourner dans MCEdit. Oh là là, voilà. Je crois que ce monde a décidé de définitivement laguer sur MC. Ah putain de edit. Voilà. Contrôle X. Contrôle V. Hop, import. Et là, c'est mieux. Voilà, contrôle S et on se débarrasse de ce logiciel du diable qui est très utile en mapmaking, mais que voilà quoi. Donc là, on peut partir du monde et y revenir. Et voilà. Si c'est pas mieux comme ça. Voilà, donc comme vous voyez, ça respecte la typographie comment on peut parler de typographie? C'est des nuages. Bref. Juste ici. Hop. Voilà. Et donc là, notre travail est achevé. On peut écouter le résultat avec du son, s'il vous plaît. Et voilà, les NoteBlock font ce qu'ils sont censés faire, à savoir de la musique. Donc, en attendant, on se retrouve pour de prochaines créations de NoteBlock, de nouvelles vidéos sur MCK Team, de nouvelles vidéos, de nouvelles chroniques sur ma chaîne personnelle. Donc d'ici là, je vous remercie du visionnage et je vous dis à bientôt. C'était CLB.